Mewtwo. Non, c'est pas vrai. Yoshi Family, c'est Yoshi Kirai, accompagné de Madame Yoshi, alias Kiris. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que toi, tu vas bien? Oui, ça va bien, et toi? Ça va super. Je tournais l'épisode 32 de Ultra Blanche, donc vous voyez, voilà. Et bienvenue, donc, c'est dans cet épisode 8, si je dis pas de bêtises, voilà. Non, ça c'est 9. Je ne sais pas compter avec tes doigts. De cet épisode de Mr. and Mrs. Yoshi, ce Link Challenge avec des Pokémon qui ont progressé, enfin, notamment pour moi. Ils sont tous niveau 16 ou 17 pour ma part. Vas-y, commence pour toi si t'es ready. Bah, ouais, ils sont tous niveau 17. Car moi j'ai encore mis le Pokédex. Hein. Et ils n'ont pas pris de niveau, enfin, pas pris d'attaque. Pas pris d'attaque ? Non, ils sont tous, voilà. En forme, tout. Il y a l'œuf qui va bientôt éclore. Voilà, pareil pour moi. Sachant qu'on a remarqué un truc, notamment grâce à Kaipora, l'attaque jackpot, voilà, on avait un petit doute pour savoir si on avait changé la puissance des attaques des Pokémon. Et oui, on a changé bel et bien la puissance des attaques. Moi, mon attaque jackpot a 95 de précision et de pouvoir, tandis que celui de Kiris a 60 et 90. Sinon, rien de particulier aussi. Je vais vous présenter le petit Furby qui a... progresser, si j'arrête de fail, voilà. Donc Furby, donc toujours d'électrique acier, il a toujours donc balle ombre et jugement, les deux attaques que vous avez connues lors du dernier épisode. Il a toujours ciel gris, il a toujours sa plaque ombre, mais il a appris clonage et bulle d'eau, voilà. Donc pour cet épisode, on va essayer de traverser donc les caves jumelles qui se situent là-haut, donc je pense que Kiris va essayer d'y rentrer maintenant. Et moi aussi d'ailleurs. Ah oui. Et peut-être y sortir, donc deux zones probables. Donc dans la première ici. Et du coup, moi je vais essayer de le pêcher. Ouais, c'est bon, je peux le pêcher. Je vais le pêcher. Moi je te laisse pêcher, mais je le prends. Et du coup, moi j'ai rien pour l'instant, rien de rien. Ok. On va essayer. Comment j'attrape ça? Rhinostock. Comment j'attrape ça? Je sais pas. Et du coup, il y a la route 32. C'est bon, moi j'ai un Pokémon qui a mordu à l'hameçon. Et c'est un... Ok, après Régistil, Régigigas. Ok. D'accord, bon, bah il dort, je vais essayer de l'attraper. Ok, donc on va tenter bulle d'eau. Aromathérapie, ok. Allez. Régigigas, Rhinostock, très bien. C'est un très bon couple, hein. Ok, même pas. Attends, hein. Ah ouais, mais c'est un légendaire. C'est un légendaire. Oui. Du coup, si tu veux essayer la Master Ball, avant okay. que. Pour l'instant, il a aromathérapie, boost. Okay. Je pense qu'il a plus de 20 PV. Oui. D'accord, donc... Ça commence bien, ça commence bien. Moi, je l'ai fait. Faut les attraper hein, avant de se faire... Ouais. Pour l'instant, il a pas des attaques ouf, le Régigigas, mais... Ok, il s'est réveillé déjà, chouette. Ok. Après, c'est bon, réunion au signal de ton côté. Mais vu que les attaques ont changé... Ça n'affecte pas, mais non. Il est spectre. Oh, crotte de bille de vue. Ouais, c'est bien ça. Oui, mais du coup, je peux pas lui faire Sonic Boom, du coup, je peux pas lui enlever peu de PV. Est-ce que ça courra à quelque chose? Moi, j'avance tranquillement, hein, je l'affaiblis tout doucement. Je vais faire un tempête de sable, comme ça, sur 5 tours, ça va lui enlever des dégâts. Si en plus il est spectre et sol, je rigole. Non, okay. Il a pas le droit. Allez, dernière. Croc de mort. Ok, enfin, il décide d'attaquer. Croc de mort, c'est la moitié des points de vie. Non. Si, okay. Non, je sais plus. Logiquement, si à chaque fois il enlève la moitié okay. ou quelque chose dans le genre. Je vais tenter une bol. Une bol tranquille, une pokéball. Juste... Sinon, tu peux essayer la pas-bol vu que tu l'as pêché. Pas faux, pas faux, pas faux. 1, 2, 3. Mais pas non besoin. Même pas besoin. Même pas besoin de la Master Ball. Voilà, tout repose sur moi. Ah, je suis gênée. Ah, mais j'y allais en mode. Culot. Tranquille, les données de Régigigas sont dans du le coup, t'as pris la part. Oh Dragon Steel. Non, Dragon. Oui, enfin, un dragon, il a... Voilà. Oui, c'est, voilà. C'est juste Dragon. Voilà, c'est juste un dragon. voulez-vous donner un surnom à Régigigas? Poudre dodo, allez. Oui. À dans 10 minutes pour le temps de la capture, voilà. Donc, comment je vais l'appeler ce Régigigas Dragon? Car maintenant...
n'a que le droit de le capturer. Halloween. 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 Je sais pas, je propose. Ah, d'accord, non. Toi, ton Rhinostoc, c'est un garçon. Moi, c'est un asexué. Mm-hmm. Oh putain, ça fait du bien, quoi. Un gros légendaire. Ah. Deux. Ça, c'est cool, les amis. Ça, c'est cool. Ah putain, ça fait plaisir. Oui, des gros Pokémon. Ok. Qui n'évolueront pas. Mais bon, ça, c'est vrai. On va voir son type. Spectre. Ouais, j'avais raison. Ok. C'est pas un projet des racailloux quand même. Oui, ok, c'est parti donc pour les surnoms. Et donc nous avons décidé d'appeler nos chers petits Pokémon, enfin petits, Gaïa pour ma part. Et Leroy pour le mien. Le tien, façon le roi Merlin. Ah, je lui avais proposé le roi Merlin, mais elle a pas voulu. Non, et j'ai Farouk qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il va me dire? Si ça avait été une fille, ça aurait été Leroy. Bonjour Yoshi, c'est Farouk, tu es en forme. L'autre le jour, j'ai battu un Célirock, personne n'a réagi. Bah ouais, on s'en fout. Alors, observons Pokémon. Vas-y. Griffacier, Picoucorne et Rayonsignol. Avec délestage. Non, je vais pas se regarder. Si l'objet est tenu, est utilisé. Et j'ai un objet, moi. D'accord. J'ai une pierre soleil. Résumé. Donc deux types dragon pur, ça j'aime bien. Il a Zénith, Boost, Aromathérapie et Croix de Mort. Et il a Garde Magique, donc seule une attaque directe peut blesser le Pokémon. Ça c'est bien. C'est en fait c'est le Garde Mystique en moins chiant. C'est ça. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça me plaît. C'est par où ? Alors c'est tu vas longer le mur, car si tu descends là, t'affrontes le dresseur qui est là. Oh, j'aurais pu avoir un Macronium. Ouais. Alors là, ça, on va croiser 150 Pokémon. Bon là, je. Ah, ah ben, voilà. Ah putain, j'ai fait deux pas. J'ai fait deux pas. Uno dos. Sabelette. Ah non, en fait, je suis très content du Pokémon que j'ai eu. Oui. Après Macronium, j'aurais pas dit non. Bah vous, il est pas mal. Et il évolue. Il évolue. Surtout, il évolue. Après toi, t'as pas... Mais j'ai fait que trois pas, bon sang de Banzai. Bah oui. Granivol. Waouh, wow, le Pokémon du démon. Ah, mais non, il est là, mon tour de deux. Il y a un Furby sauvage. Allez, allez, allez! Putain, j'ai fait 5 passes sans rencontrer de Pokémon. Alors lui, je crois qu'on peut pas l'esquiver, ce dresseur. Aïe. Celui de... Oh! Un poulpe! Un poulpe. J'aurais trop aimé l'avoir. Lui, il tourne la tête de temps en temps. Bâtard. De temps en temps. Octillerie à Marcombre. Ah, le con. Ok, on peut pas fuir. Ok, il a 3. Oh, il en a Absol! Oh, on va lui faire un petit jugement. Vanglas. Oh, je le veux. Vanglas, Vanglas sur Furby, ça va faire mal. Niveau 6, bon, ça, je le tiens. Bah, ça va, tu vas gérer. Oui. Niveau 6, t'es Pokémon de zone. Ouais. Les miens sont beaucoup plus bas. Bah, ça va entre 5 et 6, les Pokémon de zone. D'accord. Oui. Le jugement de Furby. Eh, je suis très content de ce Furby. Il est très bien. Moi, j'aime 140 beaucoup points d'expérience. Aussi, donc, faut pas les tuer, hein. J'annonce. Ah, bah. Il y en a combien ? 3. Ok. Tu vas écorcir, n'est-ce pas ? Voyons voir si tu peux sortir de là. Yanma. Yanma, ok. Ouais, choix dernier, là. Ok, bon, ça devrait aller vite. Grotan... Oui. Ah bah non, ça va pas aller vite. Grotanmorph versus Furby. Furby blessé. Faudra que je fasse attention au jugement. Bon, je suis plus rapide. Je devrais taper quand même fort. C'est la danse de la joie, ça. Yes. L'OHKO. Okay. Ensuite, c'est par où, en bas ou à gauche? Tu vois, alors tout en bas, je crois que t'as un objet en bas à droite. Oh non, toi je t'esquive par contre. Et en bas à droite, il y a aussi un dresseur, j'ai vu. Ouais. Mais je crois que tu peux le contourner, le dresseur, celui-là. Il me semble. Non, mais le Furby, c'est... Oui. Dès qu'il va évoluer, il va être monstrueux. 123 points d'expérience. Je vais le soigner quand même. Et deux Raptors, j'ai. Yes. Ah, joli. Deux Raptors, j'ai pas bon souvenir avec lui. On va faire Pokémon. On va envoyer Kaipora. Car les Tauraptor, il fait quand même un petit peu mal. Mégacorne, voilà. Oh, doudou. Ça va? Oui. Jackpot. Oh, il est spectre, l'enculu. Les. Ah bah. Ah bah, il a plus Jackpot. Ok, coup de jus. Il est spectre, les Tauraptor. Donc j'aurais pas pu l'avoir avec jugement. Oh oui, la para. Sur max. Oui. GG. T'es où, là? Je vais aller chercher un... T'as Farouk qui t'appelle. Oui, je sais. Attends, je décroche 10 secondes.
Yes, bonjour, le Finch. Bonjour, Kiris. C'est Farouk, tu es en forme? Tu te souviens de mon super terraclope? Le mien, c'est un terraclope. Rien à voir avec les terraclopes ordinaires. C'est le meilleur terraclope de tous les terraclopes. Tu crois pas ce que je dis? Tut. Merci, Farouk. C'était l'appel de Farouk. Oh, on peut pas l'esquiver. Lui, non. Oh, non, non. Ah, mais encore des Pokémon. Ça va de Akinjo. Ah, mais non, mais il y a encore Octillery avec sa marcombre. Bon, c'est pas grave, on va le juger. La recherche de Pokémon, quoi? Toi aussi, nous sommes dans le réveil forcé. Non, tu meurs pas. Pas Furby, je veux pas. Non, tout le monde, tous les autres peuvent mourir, mais pas lui. Mais c'est surtout qu'il a marcombre. Donc, sac. Soin. Tout de suite. Super potion. Super potion est utilisée. Oh putain, oh. Oh, joli Draco, sexy le Draco. Le Draco qui est insensible au dragon. Insensible au dragon? Je lui ai fait une attaque dragon, il a fait non. Insensible au dragon? Oui. Quel Pokémon est insensible au dragon? Enfin, quel type? À part le fée, j'en sais. Non, mais non. Mis à part fée, y'a rien. Mm-hmm. Les fées n'existent pas. Je vais tenter une attaque. C'est ça. Tu prends Canard Kerek, ouais, c'est bien car c'est un double temps. Mm-hmm. Mais ouais. Si on cadeau. Oh, je crois qu'il la normalise. Ah. Et s'il la normalise et qu'il est spectre, je suis dans la merde. Niveau 17. J'ai appris quoi, pardon? J'ai pas suivi. Danse plume. Danse soleil? Ah, c'est bon, il a pris Karnak. Ça devrait le one-shot. Non. Oh, ça... Tu parles à one-shot. Abandonner dans ce plume, oui. En tout cas, fait assez, il prend. Ben voilà. Par contre, il est très résistant, le bâtard. Le bâtard. Wacho. Yo. Karchakro. Oh, j'aurais pu avoir bon, ça. C'est bon, il est mort. Oh, trop bien. Ah, parce que t'es toujours pas au mec. Ah non. Oh, ah, mais il avait qu'un Pokémon. D'accord. Ouais, Kangoo, il est habillé en Kangoo. Lui, t'as pu l'esquiver, c'est ça? Ouais. Ouais. Moi, on a deux vacuums. Moi, je récupérerai les objets plus tard, moi. Oh, mais oui, mais j'ai lui, là, avec sa marque-ombre qui m'empêche de fuir. Tu ne meurs pas. Oh, un canard! Donc, pour... Oh! Un Pokémon que j'aurais appelé Miku. En plus, c'est une fille. Bah oui. Oui, avec son poireau. Bah oui, j'aurais appelé Miku. C'est bon, je l'ai tué. Oui, une pierre plante et je suis... Non, je suis pas sortie. T'as une nouvelle zone en dessous, c'est la route 32. Oui. Ah, mais ta maman, la poulpe. Non, mais je crois que je vais t'attendre. Onigali. Ah, oh, mais... Oh. Tu peux avancer. Ça galope pas. Je me retiens. on va changer de Pokémon. On va mettre Pané devant. Qu'est-ce que fait Subdigestif déjà? Ça, logiquement, ça non. Casse le. Ouais, non, j'aime pas. La cape spé. J'aime pas. Ouais, toi, t'es une bourrine, tu vas attaquer. Oui! C'est bon, je suis au mec. Il en a combien? Un. Ça va alors. Un gros. Ah oui, c'était le. Le oh, drapeau. Ça pleut! Oui! La jambe, il attaque ou pas? Lui, non, je crois pas. Mais t'as un montagnard sur la droite, en haut à droite. Y'a pas de droite. En haut à gauche, pardon. Merci. Métronome! Ouh, ah putain, il est spectre en plus l'encululu. Il me fait peur avec ses métronomes. Il vient de m'en faire deux à la suite. Pané résiste. Pané. Oui, voilà. Pané. Coup critique, c'est bien petit Pané. On va pas te manger. Ah, car t'es Pané. Oui. Alors je vais faire du... Oui, un peu. Je ne dirais même rien. 704 Pokédollars. C'est par où qu'on passe, c'est par ici. Oui, c'est bon, j'ai la sortie pas loin. Tan. Oh, Castorama! Ouais, désolé, ça sera pas toi. Fuite. On prend la fuite. Je t'attends. Ah oui. T'es près des hautes herbes? Il dit quoi ton Pokémon? Alors, Dovahkiin vous suit, l'air satisfait. Oh, et il y a des Pokémon de ouf ici. Ouais, en fait, on dirait pas, c'est pas mais... mal. Fuite.
Sakura vous suit avec entre. Pierre foudre. Ah mais ça va, moi les pierres aujourd'hui. Toi, ouais, t'as eu la pierre plante. Plante. Ouais. GG. Allez, je sors. Je vais remettre tout doudou devant. Oui. Qui a ciel gris, donc ciao l'altération de météo. Et du coup, au passage, je vais hop. Non, je gardais Dovahkiin devant. La potion, hop, utilisée. Hop là. Sur tout doudou. Voilà, 45 sur 47, ça devrait le faire. Je peux rentrer en réserve ? Oui, oui, vas-y. J'en ai marre d'attendre. Ah, le jeu aussi en avait marre. Allez, ah bah c'est bon, je l'ai. 29 limite. Oh ! Mais non. Bon, poudre dodo. Ça fera un très joli couple. Oh putain, oui. C'est qui l'homme, c'est qui la femme, c'est toi la femme. C'est okay. Moi la femme. Dodo. La femme qui dort. C'est une okay. Flemmarde. Buldo. Ah, j'y vais à coup de buldo en mode. Tu sais comment. Doucement. Non. Je l'ai tué. Bon ben. Je crois qu'il parlait d'un grumier. Désolé. Je t'ai attendu pour ça. Ah mais je pensais pas que Buldo allait one shot. Me voilà en ville, non. Ah, j'attends pour la cinématique. Ah. Tu veux faire qui Fargas ou le sbire? Je veux faire le sbire, j'aime bien faire les méchants. T'aimes bien faire les méchants? Oui. Mais... oh, l'idée de montage que je viens d'avoir. Je ne ferai plus jamais rien. C'est bon, Shiradi. Tu veux quoi, toi? Tu sais qui on est? On est la Team Rocket. Quoi? Comment ça, on a été démantelé? Arrête tes blagues, on n'a jamais été démantelé. Bon, si, c'est vrai, c'est arrivé. Une fois. Mais on s'est rassemblés à nouveau pour mener à bien les plans grandioses de notre Giovanni Panzani. Et puis, ça te regarde pas tout ça, allez, houst. Non, c'était pas... Ah bah voilà, tu parleras pas. Ah mon dieu. Alors, on va aller Hill, et il faut se rendre chez Fargas après, qui est à côté du Hill. Fargas, c'est qui déjà? Ah, c'est celui qui fait les bon, on a une autre zone, ça tombe bien, on a un peu de temps, on va un peu commencer la... Tu attaques plus. Tu lances ta Master Ball, tu réfléchis plus. Non, que c'est ça, gros. Oh, mais fouinette, quoi, en même temps, il est faible. Tu m'excuseras. Mais je m'en fous. M'en fous, j'avais un Monaf limite, d'accord? Bon, ok, je vais mettre Irigigas devant. Pourquoi? Pour éviter de tuer? Oui. Du coup, Fargas, c'est lui, là? Ouais. Hop là, voilà. Gaïa est devant. Je me sens ridiculement... Et ça fait quoi si je mets le mien derrière? Ça doit être rigolo aussi. Lequel? Bah, Monaf limite derrière toi qui te suit, ça fonctionne comment? Il dort. Il dort, il se laisse traîner. Leroy. Oh, il est moins grand. Je suis déçu. Rigigas, il envoie du steak. Je suis bon. Déçu. Non, attends. Oui, la attends. Cinématique. Mais c'est pas une cinématique, c'est un texte. Mais alors, je veux le lire avec toi. Ok. Ouais. Quelle voix je vais y faire? Un truc assez basique, quand même. Je suis prête. Qui es-tu, toi, Yoshi? Et tu voudrais que je te fabrique des Pokéballs? Désolé, mais ça devrait attendre. Tu connais la Team Croquette? Tu la connais, oui ou non? Ça change rien. Ce sont des gens qui utilisent les Pokémon de des fins crapuleuses. Leur organisation avait pourtant été démantelée il y a 3 ans. Mais là, ils sont au fond du puits Ramolos. Je suis sûr qu'ils coupent les queues de ces pauvres Pokémon pour les revendre. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, moi. Tenez bon, mes petits Ramolos, le vieux Fargas arrive à la rescousse. Je sais. Allez, bah direction le puits Ramolos, en demi-tour. Ah, mais ah, c'est y a, pas, c'est y a bon. Une boutique ou pas? Oui, il y a une boutique. Ah, je vais dépenser mon argent. Ah, ah. Il est tellement gros, Ririgigas, Dido. Tu vois pas? Tu ne te vois pas quand hop là, il m'a bouché le puits. Non. Bon, moi j'y suis. Je veux pas acheter de Pokéball. Oh là là. Quoi? Bon, je parle au vieux Fargas en attendant. Mais... Oh, Yoshi. La garde a décampé quand j'ai crié dessus. Tu m'étonnes. Et puis, je suis descendu dans le puits, et je me suis planté, et je peux plus bouger. Pouf. Si j'étais en forme, mes Pokémon auraient punis. Mais c'est vraiment trop bête, Yoshi. Va leur mettre une raclée à ma place. Oui, oui. T'en penses quoi, Ririgigas? Il se demande où il est. Mais pourquoi tu m'as capturé avec une Pokéball? Il y a des Pokémon, là? Oui, il y a la Team Rocket, il y a le Puram. Ah bah, on va rester sur la pêche, moi, ça m'a bien...
Rien de rien. Comment je l'attrape? Avec une Pokéball, une ball. Moi, ça va être un Pokémon totalement basique. Voilà, Bastiodon, niveau 5. Ah merde! Gallego. C'est pas le bon Pokémon que je voulais devant. Attaque. Mais moi, Croc de Mort, voilà. Sonic Boom, allez. À part si il crit, c'est bon! Ouais, oui, c'est bon, il est mort. Quoi? Ok, je vais mettre Irigigas devant. Pourquoi? Pour éviter de tuer? Oui. Je te déteste. J'aurais pu avoir un Mewtwo. J'aurais pu avoir un fucking Mewtwo. Je suis triste. Désolé. Vas-y, je te sors le texte du coup. Trop tard. Il s'est mis à brailler si fort, ça m'a fait peur que je suis tombée. Pour le mieux, bien les soucis, je vais te faire ta tête. Ta tête? Oui, c'est ta pas tête. Ta fête? Non, ta tête. Ah, peut-être. Je suis énervée. De duo. Niveau 9. Okay. Le mec de la Team Rocket, pour moi, c'est un nageur femme. Ah, j'ai pas vu ce que c'était d'ailleurs. Ouais. Ah. Ok, moi c'est un Dodio de type... Puissant. Spectre. Ok. Jackpot, Pokémon argent. On va envoyer Furby. On va envoyer mon petit Furby. Voilà. Du fail encore une fois. Force poigne. Avec quelle main il me fait force poigne lui? Avec le jeu. Ok, jugement. Ah. J'aime bien ce petit Furby. Et je pensais pas qu'il allait le tuer moi. Croc de mort. Voilà. Mais c'est non, c'est pas Croc de mort qui fait la moitié. Genre. C'est quoi? C'est Croc quelque chose. Mais c'est pas Croc fatal. Croc fatal. Et bonjour le Yoshi qui a sonné. C'est pas mal. Oh, et il a un petit cap humain, les jugements. Ah, Furby, il fait un taf de ouf, je suis content de lui. Ouais, bah il a tué mes Pokémon. Force nature, se transforme en éboulement. Ouais, c'est bon. Je m'en casse bien. Efficace. On va le terminer avec Ballombre. C'est dans mon stab. Excellent. Excellent. J'aurais pu avoir un Mewtwo, tu te rends compte? Oui. Pourquoi t'as pas balancé une balle tout de suite comme moi je fais? Bah je pensais pas le tuer moi, le Bastodion. J'étais là, c'est un gros Pokémon défensif et tout. Mais les stats sont oui, mais... Oh, j'ai un fossile. Oh, joli. Mais... Fossile pas avant Carmin sur Mer, bien sûr. Hein. Ah, c'est ton nom, Carmin sur Mer. Ah oui, c'est le 14e badge. Ah, ça. J'avais oublié qu'il y avait 16 badges dans le jeu. Swimmer femme, Alex. Ok, j'aurais pu avoir quoi d'autre, moi? Rien. Oh, ça aurait été énorme. Lui, tu l'aurais pas tapé, à vous. Ah ben non, théoriquement il a qu'un PV. Oh le bâtard, fuis! On n'avait pas enlevé les gardes mystiques? Non, on a interdit les gardes mystiques sur les autres Pokémon, mais lui il l'aura toujours. Ah d'accord. Ah d'accord. Écrase face. Ah d'accord. Il en avait un ou deux. Quoi? Ah mais non, t'es en train de le faire justement. Arrêtez de couper les quais de Ramelos! Et du coup, hein, si vous voulez qu'on ignore les ordres de Lance, et si tu veux qu'on arrête, il faudra nous battre! J'arrête pas de me faire juger depuis tout à l'heure. C'est l'épisode du juge! Poutis! Ah! Absolument kawaii! Versus Gaïa! Vas-y, Kangoo, pot de mort! Kangoo, c'est devenu mon favori avec Terra. Ah, moi j'aime bien Gaïa, il est. La puissance incarnée. Bah moi il est pas très haut niveau en stock, du coup je le garde de côté pour le moment, il est niveau 6. Moi il est tranquille, Relicante. Hey. Ok, allez. Ah merde, on passe pas par là, zut. Non, c'est à gauche après. Oh. De toute façon on va affronter Lance et on va s'arrêter là. Mégafon. Comme ça au prochain épisode les amis, oh, on putain. Va s'affronter Hector. Oh, je peux pas fuir. Pourquoi? Marcombre? Piège de roc. Bah si, l'épée d'air, tu peux fuir. Ah, mais oui, mais lui, il est trop lent. Ah. Oh, Yakaya, résiste! Pokémon! Putain, ça, je regardais pas en plus. Mais hein. Non, mais tu te fous de mec. Pané en avant! Battle de poisson!
Je peux switcher au moins ? Oui, mais fais gaffe aux Pokémon qui sont de type vol. Oh putain, il fait mal le con. Allez. Ah tout. C'est vrai, ça va leur faire mal quand ils vont le bloquer. Ouais. Ouais, mais il est empoisonné, il va mourir sinon. Oh ouais, c'est bon. Coup critique, c'est bon. Ouais, ok, refais piège de rock, je vais le défoncer. Prolique un TKO. Gaïa monte au niveau 11, ça c'est bien. Vas-y, meurs. Oui, c'est bon. Pané monte au niveau 17, c'est parfait. Et on a battu le boss, Jonathan. Moi, c'est que des boss. Oh, en plus... Attends. J'aimerais éviter que mon Pokémon meure de manière conne. Oula, moi, c'est plus qu'une seule potion. J'aurais dû en acheter, finalement. Un vieux gâteau. Oui. J'aurais dû en acheter, je pense. Et Sakura, tu restes plus devant, parce que t'es... t'es lent. Pas moyen de les esquiver, zut. Arrêtez de couper les queues de Ramolas. Et notre réputation, tu y as pensé? Non. On est au même point. On a bientôt fini. Ouais. Lugia, salut à toi, cher petit Lugia. Ah putain, en plus il a 3, il a 3 Pokémon. Ça... Okay. Ok. Le Founette que t'as sauvagement assassiné tout à l'heure. Ah bonjour. Ah, ce n'est pas très efficace. Ah, il a la trouille. Moi j'aime bien les flinch comme ça, trouille. Oui. Ce n'est pas très efficace. Un Pokémon. Ah non. Ah non, mais joue pas à ce jeu-là par contre. Là, je suis pas d'accord. Ta maman. J'ai Régigas aussi en face de moi, si tu veux. Coucou. Bonjour. Hello. It's me. Sera-t-il dans la miniature? Non, pas du tout. Croc de mort. Putain, je suis dans la mouise. Ah putain. Ok, bon, il faudrait que je sorte pour les soigner. Garde-le dans la trouille, garde-le dans la trouille. Ah, écoute, j'ai... Oui, non, entrave. Ça va, c'est entrave. Gentil. Est-ce qu'on se garde Lance pour le prochain épisode? Oui. Ouais. Oui. Très bien. Oui. Juste pour le suspense. Comme ça, ça m'évite de sortir et compagnie. Juste pour le suspense, c'est qu'on est déjà à 30 minutes d'épisode. Bientôt, ouais. Oui. Allez, Misterbe. Allez, allez, allez. Du coup, jackpot. Ça fait mal. C'est bon, j'ai eu le plus difficile. Toujours se méfier des plus faibles et des plus petits. Merde, Pokémon. Tête de fer est il entrave. Ouais. Oh putain, l'enculé. Oui. Cruel, allez. C'est pas très puissant non cruel, mais. Étreinte. C'est gentil, étreinte, je crois. Oh, il a peau dure, il a forte peau. Oh, on va perdre Kaipora. Non. On le tient, non. On le tient. Furby. Tellurifort. Furby en avant. Seul, c'est bon. Ne pas perdre de Pokémon. C'est toi qui me dis non. Hein. Il a étreinte, je peux switch ou pas? Allez, le jugement qui le tue. Le mystère, il me fait très mal, mine de rien. Et j'ai plus rien pour me heal. Il faut que je switch. C'est bon. On est chaud là. On est concentré. Oh non, je peux pas changer. Si je le tue pas, je suis mort. Carcarnage. A ton avis, il lui reste plus de 20 points de vie ou pas? Non. Non. Je vais tester Sonic Boom. C'est qui? C'est bon. Yes. Point glace, par contre. Yes. Je tue. Moi, je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. Moi aussi. Ton... Oui, mais toi, tu l'as fini. Oui. Allez. Oui. Bonne mort. Mais Lance, ça sera pour le prochain épisode, les amis. Ah non, là, c'était trop... trop d'émotion. Poum, poum, poum. On a battu Boss Jonathan. Mais quelle force! Quelle chance aussi j'ai eu! Oui, 90 Pokédollars. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pas les... Farouk, mais qu'est-ce que t'as? Son Pokémon, c'est le plus pour beau des Pokémon. Pour me dire que je suis en forme et que je me souviens de ton super armure, que c'est un armure qui n'a rien à voir avec les autres armures ordinaires, que c'est le meilleur des armures de tous les armures et qu'on comprend pas ce qu'il dit. Mais oui, on comprend pas ce qu'il dit. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on se donne rendez-vous pour l'épisode 9. Voilà, merci Passepartout. Pour l'affrontement de Lance et l'arène de Hector pour le deuxième badge. Et oui, maintenant on enchaîne très très vite. L'épisode là risque d'être un poil plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, n'hésite pas à dire si cet épisode t'a plu, de me lâcher dans les commentaires pour putain, t'as tué ton Pokémon de Kéris aurait pu capturer un Mewtwo alors que toi t'as capturé un Rigikas à la Pokéball, etc. Voilà, là tu as parfaitement le droit. Pourtant, Gaïa, il est pas si balèze que ça. T'es obligé, même. Voilà, à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, ainsi que pour Kiris, Instagram et DeviantArt. Voilà. Et sur ce, donc, portez-vous bien.